Bienvenue dans votre émission Ouaménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter les visées du spiritisme. D'où vient la doctrine de l'immortalité de l'âme? Certainement pas de la Bible. Elle s'est infiltrée dans la théologie juive au sein de la diaspora à partir de la philosophie grecque, puis a pénétré dans l'église chrétienne lorsque les premiers pères de l'église l'ont imprégnée de la culture helléniste. L'église catholique romaine a ensuite adopté cette hérésie ainsi que le culte du dimanche et l'idée d'un enfer qui brûle éternellement. Lorsque les protestants se sont séparés de l'église mère, ils n'ont jamais pu se débarrasser de ces trois doctrines hérétiques. Selon le théologien catholique romain John O'Brien, les protestants ont, pour ainsi dire, toujours dans leur poche une photo de leur mère et une mèche de ses cheveux. Citation tirée du livre The Faith of Millions, The Credential of the Catholic Religion, La foi de millions de personnes, le credo de la religion catholique, livre écrit par John O'Brien aux pages 400 et 401. La doctrine de l'immortalité de l'âme a des implications œcuméniques. Nathanael P. Talmadge, un ancien gouverneur du Wisconsin et sénateur de New York, s'est converti au spiritisme. Il prétendait que l'esprit du défunt, John C. Calhoun, lui rendait régulièrement visite. Selon Sir Arthur Conan Doyle, en deux occasions distinctes, en deux années différentes et de la part de deux médiums différents, Talmadge a demandé quelles étaient les visées du spiritisme. Voici ce que l'esprit a répondu dans les deux occasions. Le spiritisme se propose de rassembler l'humanité dans l'harmonie et de convaincre les sceptiques de l'immortalité de l'âme. Extrait de The Age of the Unknown, Le bord des inconnus, page 155. Conan Doyle était un spirit, lui aussi. Il a écrit au sujet de l'ordre du jour œcuménique du spiritisme. Je crois que l'un des résultats ultimes de ce mouvement sera d'unir le christianisme sur une base commune si forte et en fait si autosuffisante que les colibés qui séparent les églises aujourd'hui seront vus dans leur véritable proportion et balayés ou ignoré. Toujours extrait du livre Le bord des inconnus, les pages 155 et 156. Le livre de l'Apocalypse décrit comment, à la fin des temps, des esprits de démons iront vers les rois de la terre et le monde entier pour les rassembler en vue de la bataille finale contre Dieu. Le prophète Ésaïe nous met en garde contre le spiritisme et exalte la parole de Dieu en tant que seule épreuve décisive de la vérité et de l'erreur. Certains déclarent consulter les esprits des morts qui chuchotent et murmurent en prédisant l'avenir. Il est normal, disent-ils, qu'un peuple consulte ceux qui sont ses dieux, qu'il s'adresse aux morts en faveur des vivants. Si l'on vous dit cela, vous répondrez, c'est aux instructions et aux messages du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui n'adoptera pas ce mot d'ordre ne verra pas l'aurore. Ésaïe 8, les versets 19 et 20. La Bible est le grand détecteur d'erreurs, la lumière qui réfute les ténèbres de la science de spiritisme. Pourtant, aujourd'hui, des multitudes remplacent la Bible par une multitude d'autorités humaines telles que la présumée science, la tradition, la philosophie, les sentiments, les émotions, les signes, les prodiges, les prédicateurs, les théologiens et le témoignage des sens. Satan utilise ses anges, ses canalisateurs, ses astrologues, ses lecteurs de cartes, ses contemplateurs de boules de cristal, ses lecteurs de lignes de la main, ses médiums et les esprits supposés des saints morts, car ses méthodes sont entièrement sous son contrôle. Notre seule sécurité, c'est de faire confiance à la Bible et uniquement à la Bible. Remue-Ménège, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Y a-t-il un secteur contemporain que la Bible vous a mis en lumière? Lequel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-Ménage.